Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo Unboxing BD. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une légende de la BD underground américaine qui s'appelle Richard Corben et dont un nouvel album intitulé Murky World vient de paraître dans une édition au tirage très limité chez Delirium. Donc moi je vais m'intéresser à cette édition limitée pour le unboxing. Mais sachez que est prévu au mois de novembre un tirage courant pour cet album qui sera beaucoup plus abordable au niveau du prix. Mais avant donc de m'intéresser à ce qu'il y a dans ce joli coffret, je vais faire un petit retour sur la carrière de Richard Corben, qui est quand même pratiquement une légende vivante dans la BD underground américaine et le comics aussi, puisqu'il a fait des BD aussi grand public. Donc Corben, qui est né au début des années 40, en fait il a fait des études d'art dans le Kansas, et assez rapidement en fait il s'est fait embaucher pour faire de l'animation, mais c'est un domaine où il n'est pas resté très très longtemps, puisque assez vite lui a pris l'envie de créer des BD, et comme personne ne le connaissait à l'époque, il a autofinancé un fanzine qui s'appelle Fantagore, qui a connu une petite dizaine de numéros, mais dans lequel en fait il a publié de nombreuses bandes, des histoires courtes en fait, dont il a le secret, qui aussi entre le fantastique, l'horreur, la SF, la fantasy, etc. Dans ce magazine auto-édité, en fait, il a fait débuter aussi pas mal d'autres artistes qui ont connu des gloires diverses, mais c'était bon de le signaler. Alors, dans les années 70, ensuite, il a réussi à se faire embaucher chez Warren, l'éditeur qui sortait pas mal de magazines, du style creepy, eerie, vampirella. C'est des magazines anthologiques où vous avez plein d'histoires fantastiques, SF, horreur, etc. Qui a fait débuter mais d'énormes dessinateurs, et Corben en fait partie. Alors il a participé activement, vraiment très très activement, entre autres à Creepy, dont il a signé plein d'histoires, qui ont été réunies d'ailleurs en album, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il a fait pas mal de couvertures aussi pour ce magazine. Eerie, c'est pareil, alors c'est un peu moins orienté horreur, Eerie, plus fantasy, mais le principe est le même, des histoires courtes, qui en général ont une chute surprenante. Il a participé aussi au magazine Vampirella, mais dans une moindre mesure, mais c'est quand même bon de le signaler. Alors tout ça, ça l'a fait connaître, et du coup, en fait, l'étape suivante dans sa carrière, c'est sa renommée qui s'est étendue jusqu'en Europe, et en particulier en France, puisqu'il a participé à la création du magazine Metal Hurlant, où il a été publié dès les premiers numéros, et son passage a été très 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 marquant. Alors en particulier avec sa bande pour laquelle il est le plus célèbre, qui s'appelle la saga de Den, qui a connu de nombreux volumes, et puis aussi à cause de ses mises en couleur qui ont frappé à l'époque, puisque Corben avait réussi à maîtriser un outil qui s'appelle l'aérographe, qui permet de faire des dégradés somptueux. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'outil informatique n'existait pas. Et sa maîtrise de l'aérographe lui a permis de faire des mises en couleur qui tendaient pratiquement vers le photoréalisme. Donc c'était vraiment très très impressionnant à l'époque, et ça l'a fait connaître largement au-delà des frontières des États-Unis. Alors après, en plus de sa collaboration à Metal Hurlant, bien sûr il a participé aussi à son pendant américain qui s'appelle Heavy Metal, dans lequel il a fait pas mal de choses aussi. Et ensuite, on compte plus les participations et puis les collaborations
dans lesquels il s'est investi. Il a travaillé avec plein de monde, parmi les plus grands. Il a oscillé entre ses créations personnelles du genre Mutant World, dont une intégrale est parue il n'y a pas très très longtemps, j'y reviendrai, Vic and Blood, et puis il a participé aussi au comics mainstream, puisqu'il a il a travaillé chez Vertigo, il a travaillé dans des boîtes aussi connues que ça. Alors il a fait des Hellblazer, il a fait des Hulk, il a fait des Punisher. Vous voyez, c'est très très éclectique tout ce qu'il a fait. Mais Corben, il est à ce point particulier que vous voyez un de ses dessins, on reconnaît tout de suite que c'est un dessin de Corben. C'est vraiment un style très très personnel et bien à lui. Alors, au niveau de son univers, bon, je reviendrai sur les scénaristes avec lesquels il a travaillé, mais au niveau de son univers propre, il a été énormément influencé par Robert E. Howard, l'auteur de Conan le Barbare. Ces histoires, en général, ça se passe toujours dans des contrées désertiques, désolées, c'est très très dépressif, on va dire. Ces héros sont toujours avec une musculature hypertrophiée, les femmes qui l'accompagnent ont une poitrine opulente, enfin opulente, c'est même en dessous de la vérité, c'est très sexué, c'est très violent, il y a des monstres bien pourvus en dents et canines de toutes sortes. C'est le style Corben, et donc inspiré hein, des écrits de Howard dans lesquels on retrouve un peu ce genre de choses. Alors il a été aussi inspiré, alors dans un style un peu différent, même beaucoup différent, énormément par Edgar Allan Poe, écrivain et poète, duquel il a adapté beaucoup de nouvelles, hein, parmi les plus connues, hein, le Corbeau. Le cœur révélateur, la chute de la maison Usher, il y en a plein comme ça qui ont été adaptés par Corben, avec Maestria, faut dire. D'ailleurs, il y a pas mal d'albums qui regroupent ces adaptations d'Edgar Poe par Corben, j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Alors, du fait de sa renommée grandissante, en fait, Corben ne pouvait pas passer à côté, et puis ça s'est finalement fait. En 2018, il a obtenu la consécration ultime, en tout cas en Europe, puisqu'il a obtenu le grand prix du Festival international de BD d'Angoulême, ce qui est quand même très très fort hein, pour un auteur qui au départ s'était autofinancé pour publier ses petites BD dans son petit fanzine. Voilà pour ce qu'on pouvait dire donc de Corben et de sa carrière hein, de façon très 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 résumée hein, puisqu'il a une production quand même assez pléthorique. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce beau coffret publié aux éditions Delirium hein, et donc eh bien, on se retrouve tout de suite hein, pour découvrir ce qu'il contient en détail. Je vous dis donc à tout de suite. Bon, alors ce coffret Murky World, de quoi s'agit-il? Alors, il va falloir que je vous raconte un peu l'histoire, hein, puisque Delirium, hein, la maison d'édition qui s'occupe de Corben en France, a décidé de sortir cette histoire. En fait, c'est une grosse exclusivité, hein, puisque c'est une première mondiale. Hein, cet album n'est encore jamais sorti à part en France. Et puis pour fêter l'événement, ils ont décidé de faire les choses en grand en sortant une édition à tirage limité. Alors c'était un financement participatif hein, qui a eu lieu sur Kiss Kiss Bank Bank, auquel j'ai participé donc. Et pour 60 euros, ben, on pouvait recevoir ce bel album dont je vais vous parler tout de suite. Mais avant, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est Murky World. Murky World, en fait, c'est à l'origine une histoire de Corben publiée en noir et blanc. C'était en 2011,
2011, ça a été publié dans une revue anthologique éditée par Dark Horse qui s'intitule tout simplement Dark Horse Presents. Et en fait, Murky World a été publié donc en noir et blanc dans cette revue, à raison de quelques pages dans trois numéros. Donc il y a eu un premier épisode dans le numéro 1 de 8 pages. Ensuite, dans le numéro 2, il y a eu 12 pages supplémentaires. Et dans le troisième numéro, 4 pages. En fait, en tout, il y avait 24 pages qui formaient une histoire globale. Mais on sentait bien qu'il manquait des choses, que c'était un peu incomplet, on ne comprenait pas tout. Et on avait raison, car quelques années plus tard, en fait, à partir de 2017, dans la version anglaise de Metal Hurlant, qui existe toujours en fait, qui s'appelle Heavy Metal, dans le numéro 288, a commencé la publication d'une nouvelle version, mais cette fois-ci en couleur, de Murky World, qui a été publiée en 15 parties. Donc il y avait beaucoup plus de planches, effectivement. Et la publication, hein, s'est terminée en 2020. Donc Delirium a décidé de publier l'ensemble, et donc là, d'un seul bloc, c'est inédit, avec ce coffret que je tiens dans les mains. Vous voyez, hein, c'est un coffret qui est toilé, un coffret toilé noir, avec les titres qui sont sérigraphiés dessus. Bon, alors allez, je vais ouvrir. Hop, je vais ouvrir, attention, voilà. Donc j'enlève le coffret. Donc voilà l'album. Alors première belle surprise, la couverture, elle est même sans titre, vous voyez. Le titre, on le retrouve en fait sur le dos toilé noir, toujours du volume. Mais la couverture elle-même est sans titre. Une illustration inédite et exclusive, hein, à cette édition, hein, c'est Corben qui l'a réalisé en collaboration avec Delirium. Quand j'ouvre, il commence à y avoir pas mal de bonus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marque-pages. C'est sympa. Voilà. Vous avez aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes postales. Et vous avez aussi un tiré à part d'un dessin inédit de Corben. Alors, il existe une version spéciale de ce coffret où c'est signé en plus. Bon, moi j'ai pas pris le coffret signé qui coûtait un peu plus cher. Il y a une édition bibliophile aussi en très très grand format. Je crois que c'est genre en 24 par 37 cm, quelque chose comme ça. Moi j'ai pris l'édition, on va dire, la moins chère, ce qui est déjà quand même pas mal coûteux. Alors, dans l'album lui-même maintenant. Dans l'album lui-même, après les petits goodies. Je garde. Alors, l'édition est numérotée. Hein, moi, j'ai le numéro 675. Il y a 754, 954 exemplaires, je crois. Donc, alors, dans le sommaire, vous voyez. Il y a le Murky World, la nouvelle version couleur en 120 planches. Et bien sûr, Delirium a quand même jugé utile de rajouter quand même la version originale, hein, qui ne faisait que 24 planches, hein, qui était parue, je vous le disais, chez Dark Horse. Et ils ont rajouté à la fin un carnet de croquis. Alors, donc si on avance un peu. Alors, Murky World. Alors, en fait, il s'agit, hein, de. Des aventures d'un guerrier qui s'appelle Tugat. Enfin, un guerrier, c'est beaucoup dire, parce qu'il est très très naïf. Hein. Il essaye de faire le bien, mais dans un monde où le bien n'existe pour ainsi dire pas,
où tous les personnages qu'il rencontre ont des intentions qui sont assez peu louables. Alors on se rend compte en fait que de la publication en 15 parties, hein, puisque régulièrement on a des suspenses en fin de page, hein, qui reprennent après, toujours à l'annonce du titre Murky World, hein, ça prouve on arrive à deviner les différents épisodes qui sont parus les uns après les autres. Alors les femmes ne sont pas à leur avantage, hein, dans cet album. D'ailleurs on est prévenu au départ, on lui dit bien au héros, ne fais confiance à aucune femme, elles vont causer ta perte, et c'est le cas en fait. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Donc vous voyez, hein, la mise en couleur toujours typique de chez Corben. Le graphisme, on reconnaît tout de suite que c'est lui qui dessine. La violence aussi, hein. C'est assez violent comme album. Il y a un passage dans une arène où le héros doit défendre sa vie, qui est assez, assez dur. Voilà. Donc là, on arrive à la première version, Murky World. Alors, d'après ce que je sais, c'est ce dessin qui devrait être utilisé pour le tirage courant qui sortira en novembre chez Delirium, à moins qu'ils aient changé d'idée. Donc voilà, ça c'est la partie qui était parue chez Dark Horse. Alors en fait, c'est exactement les mêmes planches que dans la version couleur, enfin qui correspondent à la version couleur, c'est-à-dire que ces planches, on les retrouve dans la version couleur, sauf que là, elles sont en noir et blanc, donc le rendu est quand même très très différent. On a l'impression de voir des planches différentes, alors que, bon, j'ai comparé, c'est les mêmes, hein, à quelques détails près, ce sont les mêmes. Bon, puis un carnet de croquis, qui est toujours sympa à prendre. Alors oui, là on nous explique que ces deux planches que Corben avait l'intention d'intégrer au départ, et puis en fait il a changé d'idée quand il a réorganisé son scénario. Donc là c'est des recherches graphiques des différents personnages. Carnet de croquis fait 16 pages. J'arrive pas à tourner. Voilà, donc là c'est un croquis préparatoire de la couverture de l'album. Et là ben, on voit, hein, ça c'est pareil, le croquis préparatoire du tiré à part, hein, vous voyez. Voilà. Et voilà, donc pour ce très bel album. Nouveau très bel album de Richard Corben. Alors je répète, hein, rassurez-vous, pour ceux qui sont ratés, qui sont passés à côté de ce financement participatif, pas de souci, il y a une version courante qui sortira au mois de novembre. J'ai pas la date exacte, mais le mois de novembre, on y est bientôt, donc pas d'impatience. Vous pourrez découvrir cette nouvelle histoire créée par Richard Corben pour un tarif beaucoup plus abordable, hein, moi je dirais autour... J'ai pas le prix, mais bon, en général, c'est entre 25 et 30 euros. Il faut s'attendre à peu près à ce prix-là, je pense. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux notes. Alors, on commence par la note au niveau de la qualité de fabrication. Alors, bon, bien sûr, pour l'album lui-même... Il n'y a pas de souci, hein, c'est très bien fait, hein, il y a un beau coffret étoilé, l'album lui-même est étoilé de belle façon. J'adore la couverture sans titre, hein, on profite à fond du dessin de Corben, ça c'est très bien. Par contre, il y a encore une chose, et c'est toujours la même chose qui m'énerve. Je lance un appel aux éditeurs, mais arrêtez de nous mettre du papier glacé. Papier glacé, c'est bon pour Paris Match, hein, pas pour les albums de BD. Les reflets de lumière nous gâchent la vision des planches. C'est assez pénible. Je comprends pas cet attrait du papier glacé pour les nombreux éditeurs.
Il faut mettre du papier mat. Il n'y a rien de mieux que le papier mat. Donc, je suis désolé, mais pour cette raison, hein, je ne mettrai pas la note maximale à cette qualité de fabrication, qui pourtant aurait pu l'avoir avec du bon papier. Donc, je vais mettre une bonne note, hein, parce que c'est quand même bien fait, hein, mais il n'aura pas la note maximale, c'est-à-dire que je vais mettre un 4 sur 5. Au niveau des bonus, alors au niveau des bonus, il y en a. Alors, il y a toute la série de goodies, hein, les cartes postales, les marque-pages. C'est toujours sympa d'avoir un marque-page pour un album aussi épais. Le tiré à part, qui, ma foi, est assez joli. J'adore les couleurs sur ce tiré à part. Elles sont superbement reproduites. Bien sûr, mais c'était indispensable, de la première version de l'histoire en noir et blanc. D'ailleurs, le rendu en noir et blanc est assez beau, hein, j'aime beaucoup. Le carnet de croquis est pas mal. On voit les préparations d'ailleurs de Corben, c'est très bien. Moi, j'ai un regret quand même avec une histoire qui a, enfin un scénario qui a eu tant de rebondissements au niveau de sa conception, hein, une première parution dans un nombre de planches réduit, une réorganisation du scénario. Moi, j'aurais beaucoup aimé, hein, d'autant plus que Delirium apparemment a été en contact étroit avec Corben, au moins une interview de Corben pour qu'il nous explique un petit peu comment s'est fait la genèse de cette histoire, parce qu'apparemment, il y avait quand même beaucoup de choses à dire et à expliquer. C'est très dommage, hein, il n'y avait pas besoin de faire un dossier de 50 pages là-dessus, mais une interview de 4-5 pages aurait été là très bienvenue, je pense. C'est un peu dommage. Donc pour cette raison, je pense que je mettrai la note de 4 sur 5 à l'intérêt des bonus. Alors pour l'album lui-même, sa note générale, son intérêt général, j'ai passé un très bon moment en lisant cette histoire. C'est prenant, il y a des rebondissements sans arrêt, le dessin est au top, enfin il faut aimer Corben, hein, bien sûr, là par exemple ce dessin je le trouve très très beau, si on peut qualifier ça de beau vu le sujet. L'histoire ne va jamais là où on l'attend, hein. Ne vous attendez pas à ce que les héros partent avec la princesse à la fin, c'est exactement le contraire qui se passe, hein. J'en ai déjà un peu parlé, le héros c'est un héros sans être un héros, hein, parce qu'il n'est pas spécialement courageux, il n'est pas spécialement fort malgré sa musculature saillante, il est très très naïf, prend toujours les mauvaises décisions. Donc c'est un scénario qui va toujours à l'encontre de ce à quoi on est habitué, par exemple dans le cinéma hollywoodien. Donc c'est assez rafraîchissant, je trouve, comme histoire. Hein. On ne sait pas où on va de surprise en surprise. Donc j'ai beaucoup aimé, alors bien que ça ne soit pas un chef-d'œuvre non plus, mais pour toutes ces raisons, je mettrai, à l'intérêt général, une note de 4 sur 5. Donc voilà pour ce que je pensais de ce bel album édité par Delirium. Alors, pour conclure cette vidéo, et pour tous ceux qui voudraient, s'ils ne le connaissent pas encore, découvrir un peu ce merveilleux dessinateur qu'est Richard Corben, je vais vous passer en revue un peu quelques-uns des albums que je possède, et donc qui sont des travaux de Corben qui ont été traduits en français. Alors, la plupart de ces albums, normalement, je pense que vous pouvez les trouver encore relativement facilement. Il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui soient un peu plus difficiles à trouver, mais globalement, ça se trouve. Hein. Il y en a même certains qu'on trouve encore à l'état neuf, hein, qui sont encore disponibles chez les éditeurs. Donc, voilà un peu ce que je vais vous proposer. Alors, déjà, on peut commencer par les albums de Den, la fameuse bande de Richard Corben, qui l'a beaucoup fait connaître, hein, en particulier dans Metal Hurlant. Alors là, c'est les albums qui sont parus aux éditions Tot, hein, une maison d'édition qui n'existe plus, mais à ma connaissance, on les trouve encore en occasion assez facilement. Donc, en fait, il y a deux tomes qui sont sortis, La Quête, hein, 1 et 2, et qui valent franchement le coup. Hein, franchement, c'est du très très bon Corben. Alors, chez le même éditeur, hein, qui était assez fan de Corben, hein, il faut le dire,
est sorti aussi un album hein, dans le même style, mais là ce sont des histoires courtes, qui s'appelle Solo. Pareil, on peut le trouver assez facilement. Hein. Il est pas coté cet album à ma connaissance, donc on doit le trouver assez facilement. Sur eBay, on le voit assez régulièrement. Toujours chez Tot, là un peu plus dur à trouver. C'est La Maison au bord du monde, qui est un très bel album. Hein, franchement, lui j'aime beaucoup. Je conseille. Encore chez Tot, décidément, qui a beaucoup fait pour faire connaître Richard Corben en France, Bigfoot. Alors, c'est assez rigolo, scénarisé en partie par Rob Zombie. Oui, vous avez bien vu Rob Zombie, qui n'est pas spécialement qui est de l'univers de la bande dessinée habituellement, mais bon, là, il a travaillé avec Richard Corben. C'est une histoire, bon, bah, Bigfoot, hein, vous doutez de quoi ça parle. C'est bien sauvage et bien violent, comme on aime. Pas mal du tout. Toujours chez Tot, décidément. Un des comics auquel il a participé, qui est assez connu, Hellblazer, mais il a été réédité chez d'autres éditeurs depuis, hein, je crois. Donc il doit être assez facile à trouver, lui. Pareil, un comics qui a été réédité à de nombreuses reprises, mais moi c'est toujours l'édition Tot que je possède, Aliens Alchemy plutôt, bah, d'après la célèbre licence cinématographique. Hein. Ça, c'est du très très bon. Alors, j'en parlais au début, adaptation de Edgar Allan Poe, L'Antre de l'Horreur. Là, c'est chez Panini Comics. Ça a été réédité depuis aussi. Hein. Pareil, moi j'ai la première édition. La nouvelle édition, d'ailleurs, je crois qu'elle est augmentée. Il doit y avoir des petits bonus en plus. Je ne sais pas exactement lesquels. Attention, c'est bien marqué hein, pour lecteur averti. Ne mettez pas du Corben sous tous les yeux, c'est pas fait pour. Alors, et actuellement, alors il y a un éditeur effectivement qui fait beaucoup pour faire connaître Richard Corben en France, eh bien, c'est Delirium, hein, l'éditeur du coffret dont on vient de parler. Alors, par exemple, il a sorti voilà, un gros volume Esprit des Morts, où on voit eh bien, une grosse partie des adaptations d'Edgar Allan Poe faites par Richard Corben. Ça, c'est du très 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 bon. Il est très bien cet album. Toujours chez Delirium, c'est sorti je crois l'année dernière, donc ça se trouve encore très facilement à l'état neuf chez l'éditeur. Grave, Les Contes du Cimetière. Alors album un peu particulier hein, puisque vous avez effectivement ici donc une grande histoire. Et puis vous retournez l'album, tête bêche, hop, il y en a un autre. Denarius, Richard Corben, je crois que c'est celui-là que je préfère d'ailleurs, parmi les histoires. Bon, c'est du violent encore, hein, mais c'est vraiment le Corben à l'état pur, comme j'aime. Chez Delirium, bon, ça c'est un petit peu plus ancien, ça doit avoir 3 ou 4 ans. Rat God, pareil, du pur jus Corben, en couleur, très bon. Dans le même style, Rangemore, toujours chez Delirium. Ça, j'aime bien aussi. Alors, et puis j'en parlais dans la vidéo, Delirium aussi a sorti des... Alors, ils font régulièrement des anthologies des publications Warren, Eerie et Creepy, et ils ont sorti trois volumes, même, je crois qu'il y en a trois, dédiés entièrement à Richard Corben et à ses participations dans ces magazines. Donc ça, franchement, ça, c'est du très, très, très... Bon, c'est du lourd. Hein. Franchement, là, si vous voulez commencer à voir un petit peu de quoi est capable Richard Corben, commencez par là. Ben, de toute façon, hein, c'est évident. Hein, c'est ces histoires dans ces publications Warren qui l'ont fait connaître. Il hein, y a bien une raison à ça. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce grand de la BD qu'est Richard Corben. En attendant, ben, bonne lecture, donc faites de bonnes découvertes, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Unboxing BD. Ciao !